petite vidéo courte sur une petite astuce qui aiderait à maximiser lors des ralliements la puissance. On parle souvent de leadership minimal. Bon, nous savons tous très bien que pour les reliques, les simulations, on peut venir juste avec nos deux vaisseaux amiraux ou juste un, on est rouge, mais peu importe, on peut. Seulement, il y a un leadership minimal qui est conseillé en fait. C'est, vous voyez, on passe de la zone rouge à la zone blanche. Là, on est à ce qu'on appelle un leadership minimal. D'accord? On va faire ça que des frégates, tant qu'à faire. À peu près, on n'est pas. Donc en fait, quand l'initiateur de n'importe quel ralliement vous demande de venir avec un leadership mini, c'est ça. C'est de ça dont il veut parler. C'est de ça dont il veut parler. D'accord? Bien entendu, dans un ralliement, le but c'est de faire des dégâts et de prendre les statistiques, donc ceci, de l'initiateur. Vous prenez entièrement toutes ces statistiques-là de l'initiateur, ainsi que le porte-vaisseau. D'accord? Donc, le but c'est de venir avec vos vaisseaux amiraux qui sont le plus élevé, ceux qui font le plus de dégâts. Parce que, bon, là, ça se voit pas. Pète les plombs. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai l'aura. Donc, avec l'aura, et Hashim, j'ai des PV de vaisseaux amiraux et j'ai une attaque de vaisseau amiral. C'est pour ça que généralement, bon, Hashim, c'est pas tout le temps sûr. C'est pas tout le temps sûr qu'il soit dans la première flotte. Mais l'aura, il y a 90% de chances qu'elle soit dans la première flotte en fait. Parce que justement, dans votre première flotte, vous allez avoir vos vaisseaux amiraux les plus puissants. Donc, une attaque de vaisseau amiral, c'est pas négligeable, hein. C'est pas le plus fort, plus évident. Et très bien. Et vous allez avoir le boost de leadership de flotte en fait, qui est vraiment pas négligeable. Donc l'aura, c'est il y a 90% de chances qu'elle soit dans la première flotte. Pour le second vaisseau de la première flotte, là, ça peut différer en fonction de plein de paramètres. On va pas rentrer dans les détails. Donc, vous aurez obligatoirement la statistique d'attaque de vaisseau amiral importante. C'est pour ça que vous devez venir avec vos meilleurs vaisseaux amiraux et pas un vieux Pelé ou Achille ou Jason sorti du fin fond de votre tiroir. Encore moins Hercule ou Prométhée, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas l'initiateur en fait. Si vous n'êtes pas l'initiateur, ce buff là, il servira à rien. Celui-là, c'est pareil, si vous n'êtes pas l'initiateur, et celui-là, ça ne servira à rien en fait. Donc venez pas avec cela. Ce n'est pas les meilleurs en fait. Venez avec vos plus puissants. Et vous verrez, vous ferez beaucoup plus de dégâts dans les rallyes.